C'est sûr qu'après, quand on fait une semaine de stage comme ça, où la charge de travail a été présente, voilà, on fait un match comme ça aujourd'hui pour répéter les gammes, pour répéter ce qu'on a travaillé, surtout tactiquement, et puis continuer à avoir de la cohésion, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont arrivés, donc c'est des matchs où on essaie de mettre en place ce qu'on a travaillé. Aujourd'hui sur le terrain, c'était plutôt pas mal sur ce qu'on a travaillé. Après, il y a une équipe qui est venue nous chercher assez haut, donc c'était compliqué de mettre en place notre jeu. Après, voilà, le plus important, c'est de bien travailler et puis de voir nos lacunes et de pouvoir les gommer sur les prochains matchs. Je pense que sur la première période, on a eu la maîtrise, on mène logiquement au score. À 2-3 reprises, on a la balle de 2, même 3-0 pour vraiment sécuriser cette rencontre. Après, il y a deux erreurs individuelles qui les remettent dans le match. Voilà, vaut mieux que ça arrive maintenant. Voilà, ça nous montre qu'il ne faut jamais se relâcher, il faut rester concentré jusqu'au bout. Ce match a donné beaucoup d'enseignements, notamment sur le plan athlétique. On a joué face à une équipe avec des joueurs quasiment à 1m90. Mais c'était bien, ça nous montre qu'il y a l'aspect technico-tactique, mais il faudra aussi avoir du répondant. Ça va arriver petit à petit, d'où l'importance des matchs de préparation. Après, on s'attendait à avoir une opposition musclée, mais pas à ce point-là. Après, voilà, il y a eu pas mal d'engagement, donc c'est bien. Ça nous prépare aussi pour la Ligue 2, parce que c'est un petit peu ce qu'on va retrouver. Bah, nous, ce qui était important, c'est de valider ça par un match. Il y a eu beaucoup de charges. On a doublé lundi, mardi, même mercredi. Hier, vendredi aussi, on a doublé. Mais pour moi, c'était important de donner beaucoup de rythme à certains garçons qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, il y en a qui ont pu jouer une heure. Et pour moi, c'était ça le plus important. C'est des bons joueurs, ils sont arrivés, ils se sont fondus dans la masse et puis ils ont été bien accueillis. On voit qu'ils sont tout de suite à l'aise. Donc voilà, l'objectif, c'était qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se fondent dans la masse. Et puis voilà, le football, il est universel. Donc on voit sur le terrain qu'ils sont bien. Donc je pense que c'est de bon augure pour nous. Dans un premier temps, c'était qu'ils aient du rythme, qu'ils puissent encaisser cette charge de travail. Et puis dans un second temps, c'était qu'on puisse pousser, qu'ils aient une heure de jeu dans les jambes, sauf Aldo qu'on a ménagé parce qu'il est arrivé plus tard. Mais pour ce qui était Valentin, Ismaël, Maxime et Tony, ouais, il y a eu des bonnes choses. Ils prennent du rythme, il y a les complicités qui commencent à se mettre en place avec les coéquipiers. Voilà, maintenant, il faut bien récupérer et préparer la semaine prochaine. Continuer à travailler, je sais que, enfin, par expérience, on sait que même début de championnat, il va falloir 4-5 matchs pour être vraiment dedans. Donc voilà, tous les matchs qu'il y a, on va les jouer à fond, comme aujourd'hui, même si on a perdu. Mais voilà, comme j'ai dit, le plus important, c'est que le travail qu'on a fait en amont, qu'on puisse le voir sur le terrain. Et puis je pense que si on continue dans ce sens-là, ça va aller pour eux. C'est avancer progressivement, on est bien dans la prépa, les joueurs répondent bien. Maintenant, oui, il faudra être prêt le jour J et pour ça, il faut continuer à rester concentré, à travailler très dur parce que cette année, le championnat sera très très relevé. J'espère que c'est le début d'une longue série.